Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager une merveille que j'ai découverte sur la toile. Ceux qui aiment l'art, la sculpture, eh bien, voilà, c'est pour vous, c'est magnifique. À partager, à encourager, il s'agit de Ghanéens qui ont des talents vraiment incroyables en matière de sculpture. Je vais vous partager la première sculpture, vous avez peut-être reconnu. Le visage, il s'agit du très célèbre président, ancien président, Monsieur Rawlings, hein, qui a dirigé le Ghana pendant de longues années. Et ce président a été ici représenté par un talentueux sculpteur qui s'appelle Samuel Kumi, qui a fait vraiment beaucoup de merveilles, qui fait actuellement beaucoup de merveilles en termes de sculpture. Regardez, regardez la technique, regardez-moi ça, comment c'est beau, comment il s'applique. C'est vraiment parfait, les traits, il va dans les détails, regardez, c'est vraiment magnifique, regardez-moi ça, regardez, jusqu'aux cils, aux sourcils sont bien définis. Et regardez, c'est magnifique, il faut encourager. Ils sont visionnables sur leur page Facebook. C'est la page Facebook Sculpture Made in Ghana. Sculpture Made in Ghana, il faut aller vraiment regarder. Il y a plein d'autres artistes aussi qui sont représentés et qui font de magnifiques choses. Regardez, c'est vraiment tout simplement beau. Il explique un peu son œuvre en anglais il est vraiment talentueux. Il a été primé d'ailleurs dans le monde de l'art et de la sculpture à encourager. Je vais vous partager aussi un autre prodige dont je n'ai pas l'identité, mais vous pourrez consulter ses œuvres sur aussi Sculpture Made in Ghana et aussi là aussi un site Weiwei. Je pense, si je ne me trompe pas, qui en ligne, qui met en ligne aussi ses sculptures. Voilà, regardez ça, comment c'est bien fait, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez un peu, regardez comment lui aussi il s'applique dans les détails. Regardez, regardez, vraiment encouragé, vraiment très magnifique et pour Noël, c'est beau de voir autant de talents pour ces fêtes de fin d'année. C'est vraiment magnifique. Je voulais partager ça avec vous et profiter de l'occasion pour vous souhaiter de très belles fêtes en famille. J'espère retrouvez-vous. Ne pensez plus à rien. Pensez à cette magie hein, de retrouvailles en famille et surtout aussi célébrer cet événement heureux qui est le Christ Jésus pour les chrétiens qui célèbrent cette venue du Christ, de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui veut dire le Dieu qui sauve. On célèbre Dieu qui se fait chair parmi les hommes. Ça, c'est aussi un élément qu'il ne faut pas oublié pour nous les croyants. Passez de belles fêtes et puis je vous donne rendez-vous bien sûr pour une autre. Je suis quand même connectée et je vais vous partager d'autres choses aussi à venir. À très bientôt pour une autre.